rappelle ici qu'Augustin Matata a été enlevé des hommes en tenue de la police à bord d'une camionnette qui serait du procureur de Bobanza. Et le lendemain, Matata a été ramené chez lui dans un état extrêmement grave. Il était blessé un peu partout et il a continué à être tabassé, même sur le lieu, donc chez lui où il y avait une perquisition. Selon nos informations, beaucoup d'agents et du renseignement étaient présents, dont l'officier Joseph Mathias Niyonzima, alias Kazungu, déjà cité dans plusieurs autres crimes. Pendant cette perquisition, aucune arme n'a été trouvée chez Augustin Matata. Des agents du renseignement ont creusé dans les enceintes de ce lieu. Aucune arme n'y a été trouvée. Et pourtant, quelques jours plus tard, des agents du renseignement sont revenus. Ils ont faim de perquisitionner le même endroit et ils ont montré des armes qu'ils ont retrouvées dans cet endroit. Et la population et les témoins ont posé des questions. Mais comment avez-vous trouvé ces armes alors que la première fois, vous aviez perquisitionné le même endroit en présence de Matata? Cette fois-ci, vous le faites sans Matata et vous dites que vous avez trouvé des armes. Donc, pour la population, ces armes ont été amenées par des agents du renseignement pour justifier la torture que Augustin Matata a subie. Alors, s'agissant de dire que c'est Gérard Ndaï Senga seul, dans des heures qui ne sont pas de service, qui aurait torturé Matata, c'est un mensonge parce que Matata a été tabassé par plusieurs personnes, y compris sur chez lui, lorsqu'il a été ramené pour la première perquisition. Et je rappelle également, ici que je l'ai déjà dit, la torture est devenue comme un mode normal aujourd'hui d'interrogatoire au sein du Service national de renseignement. Si le président veut vraiment sanctionner les tortionnaires, il n'a qu'à envoyer ses émissaires à la prison de Mhimba, interroger beaucoup de gens qui ont passé récemment dans les cachots du Service national de renseignement, il va se rendre compte que beaucoup ont été torturés. Gérard Ndaï Senga à Mhimba raconte à qui veut entendre que les séances de torture des militants du CNL ont été décidées dans une réunion qui aurait été dirigée par Alfred Innocent Museremu, dans laquelle aurait également participé Alexis Ndaï Kenguru qui est alias Mhoroka, un certain Wilson Dissabira, un certain Josias. Tout cela aurait participé à cette réunion et il aurait été décidé de torturer les militants du CNR. Mais pourquoi tout cela ne sont pas poursuivis aujourd'hui?